Coucou, on se retrouve pour une vidéo qui va être très rapide, haul. Avec Mimi, on a été, après le cours de cuisine, à Cultura, pour voir ce qu'ils avaient en solde. Je trouve qu'ils n'avaient pas grand-chose et la moitié, c'est pas en solde. Mais je voulais, voilà, je voulais voir quand même ce qu'ils avaient, voir deux, trois petites choses. Et puis, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais d'abord vous montrer ça. C'est l'un de chez Action, mais c'est Myriam qui me l'a trouvé. Donc il y a le sac de gaufrage, le dyes et les tampons en fait qui font un peu ouais, comme les planeurs ou les choses comme ça. J'ai trouvé qu'il était vraiment super. Là, ça fait poche, les petits points, les jours. Voilà, j'ai trouvé que c'était génial. Je ne l'avais jamais vu. Donc je la remercie encore. Top, top, top. Alors. Ça c'était pas en solde. Désolée pour le bruit. Je me disais que je pouvais les utiliser en carte séparée. Moi je préfère celle-ci, mais voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai pris le ticket exprès pour voir si je pouvais retrouver les prix, mais alors allons-nous trouver. 1,29€. Oh, ouais, quand même. Il se touche. J'ai pris deux fois la même feuille, donc vous savez, c'est un dégradé de vert sur un côté et des petites maisons grises de l'autre à 49 centimes la page. Et j'ai pris celle-ci qui était également en solde. C'est pour ce côté-là. Voilà, si je connais des gens qui aiment ce style-là, donc j'ai pensé à cette personne-là et je l'ai eu à 35 centimes. Alors, je me suis pris un carnet de réunion de chez Toga. Je le trouvais vraiment magnifique. L'intérieur était vraiment sympa. Alors, je me dis, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, j'avoue. Je vais peut-être l'utiliser à la rentrée. Voilà, quand je... Parce que là, toutes mes réunions, mes machins, j'ai tout ma planif jusqu'en août. Et je me dis qu'en septembre, ça peut être pas mal. J'ai pas éteint mon téléphone. J'ai pris des pins de Noël. Je les trouvais magnifiques. Enfin, celui-là, je le trouve vraiment superbe. Et alors, c'est pas du tout pour mettre sur une créa. C'est sur ma trousse ou des choses comme ça. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et donc, c'était 2,50€. Voilà, je trouvais que c'était vraiment très, très joli. Là, j'ai repris un stylo. Mais c'est pas pour écrire classique. C'est pour mettre dans ma silhouette. 2,19€ le stylo. Ça, c'est un flacon vide où on peut mettre de la colle ou des choses comme ça. Voilà, moi c'était pour la colle que du coup j'ai mis parce que j'ai un gros truc de colle. Et sinon, je mets dans les toutes petites. Donc là, je crois que c'était plus grand, c'était plus sympa. Et ça, je l'ai eu à 49 centimes. Une recharge Memento. Là, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin. 3,99€. Et trois peintures acryliques. Trois peintures acryliques à 1,49€ l'unité. Turquoise, gris poudré et taupe foncé, les trois en mat. Donc ça, c'est... Voilà, il y avait plein de couleurs, mais bon, celle-là, c'est celle qui me plaisait vraiment. Beaucoup, beaucoup. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça va être une toute minuscule vidéo que je rajouterai. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier et je vais essayer de mettre ça le plus vite possible. Je vous fais des gros bisous et à très vite.